Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 17 et je dis pas FIFA 18 cette fois, dans le mode Ultimate Team et on va jouer avec notre petite équipe japonaise qui surprend de temps en temps les grosses équipes. Maintenant c'est jamais trop facile, voilà, hein, quand il y a nous notre équipe, elle est à 100 de collectif mais elle est à 78 de notre général. Là on est à 84 avec de sacrés joueurs. Avec de sacrés joueurs, ça fait peur. Ça fait peur mais... Bon, on a des mecs qui se défendent de bien, hein, je pense à Okazaki, à Kagawa, Honda. On a quelques joueurs qui vont essayer de faire le taf. Pour l'instant, on est en division 5, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc, c'est une saison moyenne pour l'instant. Faut aller chercher des victoires, au moins des matchs nuls. Donc, voilà, essayer de ne pas perdre ce match. Il décide de ne pas nous prendre... Keisuke Honda, donc on finit que ça et on trouve Kiyotake qui on a essayé de retrouver Honda. Ah, il va relancer tranquillement avec Martial. Il a quelques Français, on a vu Martial, N'Golo Kanté, donc voilà. Hop, mais on a bien piqué la balle à Martial. Et on repart tranquillement, c'est pas mal ça. Allez dans l'espace. Ouais, il a été hors jeu pendant un moment donc j'ai dû arrêter, pas faire la passe directement, c'était dans un mauvais tempo qu'on a tenté de faire à cette passe. On ne peut pas vraiment faire autrement. Alors attention, et ça va vite. Le ballon qui est perdu. Heureusement on a de grandes jambes du côté de notre défense centrale. Mais attention à ne pas être trop vite pris de vitesse. C'est le risque. Donc nous au contraire, hein, on sait qu'on joue pas comme ça, mais on essaie de poser le jeu calmement et trouver peut-être la diff comme ça. Honda contre Coutinho, ils disent que c'est les deux, ouais. Pas Honda, Kagawa. On a blessé un joueur adverse, on voit qui se tenait la guibole. Allez vas-y, tu pars. Non, n'importe quoi. Bon, après, pour l'instant, la bataille du milieu de terrain est pas perdue, on la tient bien, boum. Ouais, c'est contré, je crois, on n'a pas complètement raté la frappe. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Hop. Allez, il peut faire un truc intéressant, là, il y a du soutien. Hop, hop. Mal défendu. Ah, on lui met une pression, il n'osait pas trop tacler, mais on... On n'arrive pas à en profiter, attention, allez Keisuke Honda, et pénalty. Et on obtient le pénalty avec Keisuke Honda. Elle est limite, la faute, et nous on la prend évidemment avec plaisir. C'est limite, c'est un peu sévère. Honda va se forcer un peu à tomber. Et c'est parti pour Shinji Kagawa. Et je ne sais plus tirer, comment on fait? Ouh là là, je ne sais plus tirer les pénalties à force entre jouer varié entre PES et FIFA, c'est atroce, je ne savais pas le tirer. Donc ça a été un pénalty tiré de façon toute pourrie, mais bah, c'est passé et on ouvre le score. Alors j'ai pas envie de dire contre le cours du jeu parce que pour l'instant on est bien dans ce match, mais le pénalty pour moi est très sévère et l'adversaire a de quoi être un peu énervé contre l'arbitrage. Nous on va pas se plaindre évidemment. Et Suki Honda, on tente la patate. Il y a une bonne frappe du gauche avec Keisuke Honda, on peut tenter, il faut tenter des trucs comme ça. Nous on a une défense centrale, donc je rappelle, en argent, hein. c'est même pas doré quand tu vois que le mec il a des cartes noires et tout. Ça rigole pas. Mais par contre, ils sont solides, ils courent pas très vite mais ils sont puissants et. Nous servirons dans ce sens là, allez, on trouve Honda qui retrouve Kiyotake. Hop, attention avec tes tacles mon petit. Ah, Okazaki qui perd la balle, qui a tenté de frapper. Et là ça peut partir très vite. Voilà, il a des coureurs qui courent très très vite avec Martial, Dembélé. Voilà, faut se méfier. On relance calmement. Voilà, c'est propre. Ça j'aime. Tranquillement. Pour l'instant on tient le match. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. C'est bien. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Allez. Allez. Le
ACB, oh là 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 là, c'est bien défendu, il a réussi à. Il est arrivé au bon moment. On va évidemment le jouer à deux, hein, vous, vous me connaissez. Hop là. Oh, c'est passé. Oh, il est beau. Elle est belle, la frappe. Je vais la laisser, la frappe, parce que... Poum. Petit, petit filet, l'arbitre... l'arbitre. Le gardien de but n'a pas le temps de réagir, là, à cette, grosse frappe de Okazaki. Allez, attention. Il est en train de tenter... 6 tirs à 0 pour le TFC, le Stade Toulousain. On domine, hein. On domine ce match pour l'instant, clairement. Oh, superbe intervention du gardien. La tête était très bien ajustée. On était voilà. Pas loin du but là. On est bien. On est bien dans ce match où pourtant on voyait que. Mais comme je le dis, hein, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous m'avez vu faire des vidéos avec, cette équipe japonaise sur, ce mode Ultimate Team, je pense qu'ils nous prennent un peu, à la légère dès qu'ils voient un peu d'autres compos. Sauf que c'est une compo que j'ai quasiment depuis, que j'ai FIFA 17. Je l'ai quasiment pas modifié parce que j'ai pu l'acheter très rapidement. Et c'est ce qu'il peut y avoir de mieux en équipe japonaise. Donc en fait, ben, je la connais par cœur. Donc je sais vraiment, je connais ses forces et ses faiblesses. Et je sais la jouer vraiment comme il faut. Et voilà. Et donc on arrive à surprendre un adversaire qui est... normalement bah, bien plus fort hein, là. Voilà. Mais pour l'instant on est bien parti. Alors attention hein, ça peut revenir à deux buts d'écart, on sait jamais, mais pour l'instant ils sont perturbés à la petite ça a failli aller jusqu'à Kiyotake et ça repart. Attention Bardi, on essaie de, reculer la compagnie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, on a eu chaud. Non, c'est pas très bien joué. On est très très chaud, on a bugué avec notre défenseur. Voilà. Il peut nous avoir en, jouant sur la vitesse, des passes en profondeur comme ça. C'est je pense ce qu'il peut faire à sa force. Et il va finir par le comprendre hein, que c'est en vitesse qu'il doit s'appuyer sur, nos défenseurs hein, qui bougent pas trop. Allez, Honda. Voilà, on relance proprement. Hop, on retrouve qui ont taqué, c'est bien taclé, mais on obtiendra la touche. Kisuke Honda. Oui, ça circule bien. Ouais, on retrouve ACB. On retrouve Keisuke Honda. Keisuke Honda qui provoque et qui obtiendra pas de pénalty. Non, c'était bizarre à l'action. On a essayé de, dribblouiller hein. Avec, nos compétences à nous, donc c'est pas trop dribblé. On s'approche de la zone de vérité. Shinji Kagawa. Non, on ne trouve pas de solution, on revient en arrière. Il la joue un petit peu comme on fait tourner en attendant l'ouverture et, de prendre la fin. Oh, bien défendu. Bien défendu. L'arbitre qui siffle la fin. Bon, 2-0. 6 tirs, 6 cadrés. On a tout cadré lui. 3 tirs, 1 cadré. Et pour l'instant, 2-0. Donc, match tendu, on est bien. Mais c'est pas encore gagné, c'est pas le match est pas assuré. Hein. Donc voilà, si on peut aller chercher la gagne comme il faut, ça sera parfait. Ne pas concéder un but trop rapidement. L'entraîneur qui ne pouvait pas faire autrement hein, que de le faire. Ah, Alessandro Florenzi. Florenzi qui, fait partie de notre équipe, de notre équipe italienne. On l'espère recharger leur batterie à la mi-temps. On l'espère qu'ils ont rechargé tout à fait. Honda. Après nous, on, fait tourner, on est serein, on a deux, buts d'écart quand même. Allez, tu pars, Uchida, hop, on retrouve Kiyotake, boum. Hop, j'ai essayé de la remettre, oh là là là. Dommage, il y a de l'idée, les gars. C'est vrai que si on marquait un troisième but, je pense qu'on plierait le match. Bon, sur cette à deux buts d'écart pour l'instant, il peut toujours espérer quand même. Donc, voilà. Il faut continuer de se méfier. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, Okazaki qui a mis une grosse frappe tout à l'heure, petit côté comme ça. Ouais. J'ai tenté, pas facile là, mais. Défenseur avant de sortir, ce sera donc un corner. Toujours, hein, on continue à jouer à deux les corners. Hop, petite talonnade. Attention, il y a hors-jeu. Non, il n'y a pas de hors-jeu, c'est parfait.
Oh, si ça passe, oh, on la retrouve, on l'a retrouve. Perdu dans une zone dangereuse. Au bout, c'est notre défenseur central. On passé tout près, qui est pas très technique, ça s'est senti. Bonne, hein. Au moins de la frappe. Ça. On a fait une chandelle. Oh là 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 là. Oh, Uchida qui a mis le pied, heureusement. Attention, il y a un repique intérieur. Hop, Uchida qui se bat contre Martial. Il est pris par Uchida plus Honda, c'est pas facile là. On peut relancer tranquillement avec Kiyotake. Honda qui fait un appel, mais on ne va pas lui faire pour essayer de surprendre l'adversaire. Bien taclé, il faut récupérer ce. Il va bien défendre là. Ouh là, attention. Oh, on a raté le tacle. On a raté le tacle. Et un super arrêt de notre gardien de but. Là, il a raté. Il a raté quelque chose d'important, je pense, à l'adversaire. C'était notre première. C'était vraiment une très. Notre deuxième, parce qu'à un moment, mais c'était une vraie très grosse erreur défensive qui lui donnait une vraie occasion de but. Où il avait vraiment tout le temps de préparer sa frappe. Mais une pression là, c'est difficile. Cette fois-ci, le gardien de but n'arrivera pas à la sortir. Et ça revient à un petit but. Et là, on est pris défensivement. On sent nos joueurs un peu pris. Et comme je l'ai dit, il fallait marquer un troisième but pour plier le match. À la place, l'adversaire est motivé et se dit qu'il n'y a plus qu'un but. Tout est possible. Allez, Keisuke Honda. Ah, ça passe pas, il commence à comprendre un peu notre style de jeu. Ah, mais c'est quoi ça? On a été poussé à cause de ça, il fait un contrôle tout pourri. Ça y est, vous allez m'entendre rager vu que là le match est en train de partir à volo pour nous. Et on sent qu'il y a eu le tournant du match. On est. Oh là, on peut pas. On peut pas la défendre, c'est difficile. On est pris de vitesse. Sérieux. Ils étaient menés de 2 buts et maintenant ils sont égalisés. Et ouais, ils reviennent à 2-2, bien joué de la part de l'adversaire qui lâche pas l'affaire. Et nous, il va falloir envoyer du lourd là. Il va falloir envoyer du lourd parce qu'on a envie de gagner ce match. On dominait quand même relativement tranquillement ce match. Et déconcentration, tout qui lui réussit d'un coup. Et voilà. Et tu te retrouves à 2 buts partout. Allez, Okazaki. Boum! Oh là 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 là, celle-là on l'a mise à côté, je sais pas comment. Dommage, hein. Dommage, on avait l'occasion du 3-2 et à la place il peut nous battre. Donc, oui, il compte gagner le match, je vous le dis clairement. Quand t'es revenu à 2-2 alors que t'étais mené à 2-0, clairement tu n'as qu'un espoir quand il reste 20 minutes, c'est aller gagner ce match. J'ai hésité à faire la petite passe plutôt sur le côté. Et la place, ça relance. Et regardez, on a plus trop de défenseurs. Martial qui vient perdre la balle. C'est bien défendu ça. Allez, Honda. Martial qui ne se replacera pas. Donc il y a quelque chose à faire peut-être pour nous. ACB qui a raté l'occasion tout à l'heure. Et de le faire sortir la défense. Allez, c'est clair. Honda, on dribble une fois, deux fois. On retrouve, c'est pas mal. Oh, et non. Et on sent qu'il peut y avoir un troisième but de chaque côté. Le match est toujours tendu. Attention de ne pas être pris de vitesse comme ça. Allez, on retrouve Honda sur le côté. Honda. Ouais, la belle passe dans l'espace. Pour l'instant, il tient bien, mais. Ah, il enchaîne les bonnes passes. On sait qu'on peut marquer, on sait qu'on peut mettre un autre. Du potentiel, cette attaque. C'est pas sorti. On retrouve ACB. Ah, ça passe pas, j'aurais dû la garder et il va faire des remplacements. Bon, nos joueurs, nous, ils sont cramés. Et non, nous, on fait pas de remplacements. On n'est pas très riche, voilà. On a un adversaire qui a, je rappelle, des joueurs à 84 avec des remplaçants très solides. Et nous, bah, notre équipe qui est quand même moyenne, elle fatigue. Elle fatigue. Oh là là. J'étais en mode tranquille. Dans ce match, je m'y attendais pas. Ça a repris d'un coup. Attention, il a du champ devant lui. Allez. Oh, on récupère la balle. Oui. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire là. Ah, j'arrive pas, j'ai rien envie de faire la passe là-bas à gauche. À la place, on se fait
prendre de vitesse, mais on le bouge à l'épaule, on le bouge, c'est bien. Encore tranquillement, et nous on prend notre temps pour relancer proprement, pas perdre la balle gratuitement, on veut créer nos propres actions, tranquillou. Là-bas. Oh, elle est pas bien ce... C'est quoi cette passe? On se met en danger un peu tout seul en... En tentant n'importe quoi et... Notre gardien de but qui vient l'arrêter! Allez, 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 on relance rapidement. Hop là! Allez, on a Okazaki, ACV, on ne trouve pas trop de solution. On va envoyer sur Keisuke Honda sur le côté. Il sait qu'on aime retourner intérieur, donc il se méfie du retour intérieur. Allez, oh, on a envoyé un peu là au hasard. Ça pouvait peut-être passer, malheureusement ce n'a pas été le cas, et c'est la relance de l'adversaire. Hop là, attention. Boum, on n'aura pas le temps. Ouais. 2-2, un peu décevant pour nous, mais bon, deuxième mi-temps solide de l'adversaire qui est revenu. On rate pas mal d'occasions, je pense. Mais voilà, on n'a pas tenu sur cette fin de match. C'est la petite déception. Petite déception quand même. Regardez, 10 tirs, 8 cadrés. De but, 8 tiers, 5 cadrés. Possession 65-35, voilà, on a dominé, mais pas tant que ça. Il s'est bien repris dans la deuxième mi-temps, donc bien joué à lui. Il est revenu. Et nous, ça fait qu'on se retrouve à 8 points, il reste 5 matchs. La montée est toujours possible, la montée est à 16 points, donc il faut faire à peu près le même ratio, et ça ira. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres matchs. Bye bye!